Donc, ma première question que je voudrais vous poser, c'est quel est l'état des relations bilatérales entre Moscou et Ouagadougou? Bon, à l'heure actuelle, les relations ne sont pas très poussées. Voilà. Dans le passé, nous avions des relations un peu plus suivies, mais par la suite, ces relations se sont détériorées. Bon, nous aimerions que ces relations se renforcent davantage. C'est la raison de ma présence ici, à Moscou. Dans une interview accordée à la chaîne d'information russe RT France, l'actuel premier ministre du Burkina Faso a tenu à affirmer la volonté de son pays à rétablir les liens de partenariat stratégiques avec la Fédération de Russie. Il a notamment souligné l'importance, mais surtout le rôle que devrait jouer la Fédération de Russie dans l'accompagnement militaire du Burkina Faso dans la lutte contre les groupes terroristes financés par l'Occident. Une interview riche d'informations. De quelle période parlez-vous exactement? Donc, la détérioration après la chute de l'Union soviétique ou... Oui, après la chute de l'Union soviétique et aussi après le changement de régime chez nous au Burkina Faso. Vous savez par exemple que sous le président Thomas Sankara, les relations étaient suivies entre l'Union soviétique et puis le Burkina Faso. Le président Thomas Sankara même a eu à effectuer une visite ici. Il a visité la Cité des Étoiles, que moi je n'ai pas pu visiter, alors que j'aurais voulu bien visiter. Et il a eu des entretiens à l'époque avec le président Mikhail Gorbatchev. Voilà, et la compagnie soviétique Aeroflot venait à Ouagadougou. Tout ça, ça s'est arrêté. Voilà. Donc il y avait une ambassade au Burkina Faso, il y avait un centre culturel soviétique au Burkina Faso. Donc à un moment donné, tout ça s'est arrêté. Donc les relations ont un peu décliné. Donc, vous souhaiteriez que ça revienne au même niveau au moins ou vous souhaitez développer les relations davantage encore? Bon, écoutez, la Russie est une grande nation. Voilà. La Russie figure parmi les grandes nations. Alors qu'elle est pratiquement inexistante chez moi, au Burkina Faso. Donc, nous aimerions que la Russie prenne la place qui lui revient en tant que grande nation dans mon pays. Parce qu'il y a une histoire et une expérience de la Russie. Et nous aimerions qu'elle partage cela avec nous. Lors de vos entretiens que vous avez fait ici à Moscou, quels étaient les sujets de vos échanges avec les collègues russes? Est-ce qu'il est possible d'évoquer les aspects de la coopération que vous voulez entretenir avec la Russie? Oui, nous avons rencontré pas mal de personnalités, voilà, dans les ministères, etc., les services. Et ils sont ouverts. Ce que nous aimerions, c'est renforcer les relations de coopération dans tous les domaines possibles. Dans tous les domaines possibles, entre la Russie et le Burkina Faso. Est-ce qu'il y a peut-être des priorités pour vous, peut-être le domaine sécuritaire? Oui, sans doute. Actuellement, la priorité des priorités au Burkina Faso, c'est le domaine sécuritaire. Donc, nous en avons discuté. Mais au-delà du domaine sécuritaire, nous avons discuté concernant d'autres domaines. Parce que le problème sécuritaire, c'est conjoncturel. Nous espérons que d'ici quelques temps seulement, on va régler ce problème. Mais au-delà de ça, il faudra que nos relations se poursuivent. Parce que nous avons tous intérêt à gagner. Est-ce que la Russie pourrait être un allié du Burkina Faso dans la lutte anti-djihadiste? Oui, c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que la Russie soit un allié, voilà, comme tous nos partenaires. Et nous savons que la Russie est une grande puissance. Et si la Russie le veut, elle peut vraiment nous aider dans ce domaine. La Russie prévoit d'organiser un sommet Russie-Afrique en 2023. Est-ce que le Burkina Faso prévoit de participer à ce forum? Bon, écoutez, on m'a remis une lettre d'invitation du président Poutine à mon président, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc je vais lui remettre cette lettre. A priori, si je suis là, c'est pour que les relations entre la Russie et le Burkina Faso se renforcent. Donc a priori, il n'y a pas de raison que nous ne venions pas. D'accord. Justement, au niveau des visites d'État, peut-être justement ça va être l'occasion pour organiser une visite d'État? Oui, bon, moi je suis là en précurseur. C'est pour voir si vous, les Russes, vous êtes disposés à coopérer avec nous. Donc, si vos intentions sont bonnes et que les choses se précisent, alors notre coopération va se renforcer et il y aura des visites d'État. Peut-être que même mon chef d'État viendrait ici, ou peut-être même que moi-même je reviendrai ici. Donc, c'est ce que nous espérons. Il y a aussi le volet du commerce qui pourrait être un aspect de la coopération entre la Russie et le Burkina Faso. Est-ce qu'il y a peut-être des produits que le Burkina Faso pourrait fournir au marché russe? Bon, ça, c'est à vous de répondre. Parce que comme j'ai eu à dire à mes interlocuteurs, la Russie est une grande puissance, une grande nation.
Mais on ne voit pas la Russie chez moi. Mm-hmm. Il n'y a pas beaucoup de Russes dans la circulation. Alors que vous produisez beaucoup de choses. Par exemple, en matière de médicaments, vous produisez beaucoup de médicaments qui pourraient être moins chers, mais on ne voit pas de médicaments russes chez moi. Pourquoi les Russes ne viennent pas ouvrir des pharmacies chez moi au Burkina Faso, comme le font les Français? Pourquoi on ne vendrait pas de médicaments russes au Burkina Faso, comme on vend les produits français? Pourquoi la Russie ne viendrait pas ouvrir un laboratoire de médicaments ou bien pharmaceutique ici au Burkina Faso? Tous les chantiers sont ouverts et nous restons ouverts. Donc, ça dépendra aussi de la disponibilité des Russes. Donc, nous souhaiterons avoir plus de produits russes aussi chez nous au Burkina Faso pour diversifier notre partenariat et ne pas être lié seulement aux Occidentaux. La visite du Premier ministre burkinabé en Russie a été largement critiquée par la diplomatie française. L'actuel président du Ghana, lors du sommet US-Afrique, s'est même permis de demander l'aide militaire américaine pour renverser le président de la transition Ibrahim Traoré. La coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie est capitale pour chasser les terroristes subventionnés par l'Occident. Pour toutes les personnes qui veulent suivre l'interview complète, le lien se trouve dans la barre de description. Nous nous excusons une fois de plus de la qualité de l'image. Et merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Au revoir.